Karim Rafiatou mobilise les femmes amazones derrière Patrice Talon. À l'occasion du 3e anniversaire de la session du chef de l'État au pouvoir, Karim Rafiatou a rassemblé les femmes ressortissantes du Septentrion, vivant à Cotonou et environ, pour marquer l'événement. Profiter de son anniversaire et lui présenter les vœux pour son... ses 3 ans de pouvoir. Et c'est pour ça que nous sommes sortis pour mobiliser les femmes. L'occasion était bonne pour les femmes amazones de déclarer leur soutien au chef de l'État. Nous avons décidé volontairement d'apporter notre soutien ferme et indéfectible aux actions du chef de l'État, le président Patrice Talon. À partir de ce jour, nous sommes devenus Miss Talon. Je voudrais nous féliciter pour ce choix que nous venons de faire. Je voudrais, en vos noms, en appeler à l'esprit citoyen de l'ensemble des acteurs politiques et de tout le peuple béninois pour que les séances électorales du 28 avril prochain se déroulent dans la paix. La paix. C'est l'autre préoccupation des femmes et de leur soutien. Elle a vu juste. Le Bénin ne chancelera pas sous Patrice Talon. Les gens vont s'agiter. Les gens vont crier. Mais le Bénin tiendra toujours debout. Un appel à la paix, à la solidarité et à la concorde nationale. Vous savez, le Bénin est notre patrimoine commun. Ceux qui aujourd'hui appellent à la violence, qui vous demandent de descendre dans la rue, comprenez que ceux-là n'aiment pas ce pays. C'est un important réseau de femmes qui vient ainsi d'apporter son soutien à Patrice Talon.